Donc CAES est une association de jeunes chercheurs médiévistes créée en 2001. Ce qui fait l'intérêt et la richesse de CAES, c'est qu'on est pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'elle réunit des jeunes chercheurs venus d'histoire, de la littérature, des philologues, des historiens de l'art. Et bien sûr, tout le monde est bienvenu, du master, des doctorants, des jeunes docteurs. On se réunit une fois par mois pour un séminaire mensuel qui ensuite donne lieu à la publication d'une revue qu'on peut trouver en ligne gratuitement. Les séminaires mensuels sont regroupés par des thèmes. On les vote en début d'année collectivement, donc on les choisit collectivement. Et ensuite, il y a deux ou trois séminaires par thème qui donnent lieu chacun à la publication d'un bulletin, donc comme je vous ai dit, en ligne, mais aussi en format papier. En général, il faut attendre quelques mois après les séminaires qui ont eu lieu. Oui, on a déjà des textes qui ont été édités au format livre. Il s'agit des actes de colloque, car une fois tous les deux ans, CAES organise des journées d'études, pareil sur un thème qu'on choisit collectivement en début d'année, et qui donne lieu à une publication, donc des actes de colloque qui sont gérés et dirigés par les deux ou trois personnes qui dirigent les journées d'études. Alors oui, le bathyscaphe d'Alexandre, en fait, c'est le sous-marin d'Alexandre, c'est ce tonneau en verre que Alexandre le Grand fait construire pour explorer la dernière partie du monde qu'il n'a pas encore conquis, qui sont les mers. Et c'est un thème qui va se développer et qui prend corps au Moyen-Âge. Le lien entre Alexandre le Grand, qui a vécu durant l'Antiquité, et les royaumes des mers se développe au Moyen-Âge, d'où le terme de bathyscaphe. Du coup, ça permet de montrer la fascination qu'exercent les mers sur les médiévaux. Parce que c'est à la fois un espace d'aventure qu'on utilise pour aller en pèlerinage, qu'on utilise pour commercer, mais aussi un espace dangereux. On a des pirates, des naufrages. Et donc, du coup, cet espace un peu entre les deux fascine énormément les hommes et les femmes du Moyen-Âge. Peut-être parce qu'on pensait que les médiévaux étaient très, très sédentaires. Et du coup, on a eu du mal à imaginer qu'ils puissent aller loin sur les mers. Alors qu'en réalité, il y a ceux qui prennent la mer, les marins, les pèlerins, et puis il y a ceux qui sont sur les rivages, qui en vivent, qui pêchent les coquillages, qui vont utiliser des moulins, des écluses, faire des polders, qui sont dans les ports. Et puis il y a aussi ceux qui l'écrivent, et c'est aussi une des principales sources, c'est-à-dire qu'ils vont raconter la mer, donc, ou faire rêver, comme avec le sous-marin d'Alexandre, ou mettre en garde contre ses dangers, ou même convoquer des terres lointaines pour montrer que ces mondes maritimes, ils sont en fait très importants au Moyen-Âge. Alors, il y a la surface de la mer et puis il y a ce qu'il y a en dessous la mer, ce par quoi la mer est peuplée. Donc, on s'est beaucoup interrogé sur les créatures qui peuplaient les mers. Il y a des premiers essais aussi de zoologie et de classification des espèces marines. Et puis, il y a des espèces qui sont un peu extraordinaires, comme par exemple les sirènes qui fascinent beaucoup au Moyen-Âge. Et donc, voilà, tout ce bestiaire qui est à la fois réel, qu'on essaye de classifier, les tortues, les poissons, et ceux qui sont un peu inclassifiables, les sirènes, aussi la filiation avec ces monstres marins comme Caribécilla et ainsi de suite.